Oui, visiblement, c'est un loup solitaire selon la plupart des premiers témoignages d'enquête de la part du Shabak et des renseignements intérieurs. Il s'agirait d'un Palestinien âgé d'une trentaine d'années qui serait sorti de la sortie nord de Naplouse et foncé en direction de soldats et de civils. Ce dernier a été neutralisé, il a été transféré immédiatement dans un état moyen à l'hôpital le plus proche, pas de blessés du côté israélien. Évidemment, cela témoigne aussi de la dangerosité toujours du terrain en Cisjordanie. Je répète, toutefois, il ne s'agit pas d'une cellule ni d'une organisation terroriste qui aura envoyé ce dernier, mais bien toujours la marque de ces loups solitaires qui décident en quelques secondes d'accélérer et de passer à l'acte.